Et bienvenue à tous dans votre soirée d'information. Le premier tour des élections municipales, c'est dimanche. Après avoir longuement parlé de Bordeaux, et bien toute cette semaine, nous allons faire un tour d'horizon des principales communes girondines. Ce soir, nous verrons quels sont les enjeux dans le Médoc, notamment à Pauillac, Lacanau et Lesparre, avec Julien Lestage, journaliste à Sud-Ouest, qui est l'invité de cette édition. Et il sera également question des municipales et des conséquences du coronavirus sur le vote des 15 et 22 mars prochains. Ce sera tout à l'heure dans ce commentaire libre. Voici à présent les titres que nous allons développer dans cette édition. 19 nouveaux cas de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine ce mercredi. Et coronavirus oblige, des précautions vont être prises dans tous les bureaux de vote pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Ce 11 mars, c'était la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Une cérémonie a eu lieu à Bordeaux à laquelle ont assisté des victimes d'attentats. La Gironde placée en vigilance orange pour risque de crues inondations. La Garonne est légèrement sortie de son lit ce matin au niveau des quais de Bordeaux. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le ciel sera couvert et des pluies éparses sont attendues dans l'après-midi. Du côté des températures, il fera entre 14 et 16 degrés. 19 nouveaux cas de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine communiqués ce mercredi par l'ARS, 9 en Charente-Maritime, 2 en Gironde et en Corrèze, 2 dans la Vienne, 1 en Lot-et-Garonne, 1 dans les Pyrénées-Atlantiques, 1 en Charente et 1 en Haute-Vienne. L'OMS considère désormais le Covid-19 comme une pandémie. Alors que la région vient de franchir la barre des 70 cas, le syndicat Sud Santé s'inquiète concernant le passage au stade 3. Il pointe du doigt le manque de moyens humains et matériels dans les hôpitaux publics et qu'il dénonce déjà depuis plusieurs années. Des moyens qu'il juge aujourd'hui largement insuffisants pour faire face à la pandémie. Il y a eu des grèves depuis plus d'un an et la situation est loin d'être réglée dans la fonction publique hospitalière. Ouais. La réduction de lits, la non-augmentation des effectifs nous amène aujourd'hui face à une situation sanitaire de crise en grande difficulté pour prendre en compte cette crise. Alors qu'est-ce que vous demandez ? Que les moyens soient ouverts sur la fonction publique hospitalière. Les lits, en particulier des lits de réanimation, ce qui sera aussi, ce qui est toujours très difficile à avoir, surtout en période hivernale. Donc là, on va vite le ressentir une fois qu'il va y avoir un afflux massif de victimes en détresse vitale. Et nous parlions lundi des précautions prises notamment dans les EHPAD en raison du coronavirus. Et bien sachez que compte tenu de l'augmentation du nombre de cas en France, le gouvernement a annoncé aujourd'hui que l'intégralité des visites était suspendue dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée. Dans les résidences autonomie, elles sont fortement déconseillées. Et puis coronavirus oblige, des précautions vont être prises dans tous les bureaux de vote pour les municipales des 15 et 22 mars prochains. La ville de Bordeaux a détaillé ce matin les mesures qui seront mises en place dès dimanche pour garantir les meilleures conditions sanitaires dans les 147 bureaux de vote où sont attendus plus de 150 000 électeurs dimanche. Dominique Parmentier. Dès son entrée dans le bureau de vote, il trouvera l'indication du point d'eau qui lui permettra d'aller se laver les mains avant de pouvoir aller voter. Les isoloirs resteront légèrement entrouverts pour ceux qui ne souhaiteraient pas être en contact avec les rideaux. Après, libre à chaque électeur de le refermer ou pas. Nous les inciterons à jeter eux-mêmes leur bulletin pour que les tablettes restent bien entendu vides. Elles seront désinfectées régulièrement. Les membres des bureaux disposeront en effet de gel hydroalcoolique et de lingettes pour nettoyer toute la journée bureaux, matériel et poignées de porte. Pour réduire les contacts, l'électeur peut aussi venir avec son enveloppe toute prête, avec dedans son bulletin de vote, et c'est recommandé avec son propre stylo, noir ou bleu. Ensuite, une fois qu'ils ont signé le cahier d'émargement, la carte sera présentée par l'électeur lui-même pour être tamponnée et ils pourront se laver les mains aussi en sortant du bureau de vote.
Le personnel administratif sera particulièrement attentif à la gestion des files d'attente et des flux pour éviter la promiscuité prolongée. C'est-à-dire le respect d'environ un mètre de distance entre chaque personne. Donc les chaises seront disposées pour le personnel de façon à respecter cette distance. Et il y aura pour le personnel administratif présent une vigilance pour rappeler ça aux électeurs si c'était nécessaire. Enfin, pour éviter la foule, mieux vaut ne pas venir entre 10h et midi et demi et 15h et 17h. Si on respecte toutes les préconisations qui sont délivrées, il ne devrait pas y avoir de risque, pas plus que d'aller faire ses courses ou de prendre du transport en commun. Un courrier rappelant ces mesures exceptionnelles sera adressé aux quelques 150 000 électeurs bordelais concernés, les plus fragiles étant invités à voter par procuration. Et à noter que d'autres communes ont annoncé des mesures quasi similaires. C'est notamment le cas, par exemple, de Mérignac, d'Arcachon, de Royan ou encore de Gradignan. Et puis, je vous le disais il y a un instant dans ce commentaire libre, il sera également question des municipales et des conséquences du coronavirus sur le vote des 15 et 22 mars prochains. Précautions qui sont annoncées dans les bureaux de vote, que ce soit chacun apporte son stylo, gels hydroalcooliques distribués dans les bureaux de vote, etc. Toutes les précautions qui seront prises ne sont pas de nature à terrifier l'électeur, surtout s'il continue à faire ses courses ou à mener une vie normale. C'est par contre assez catastrophique que cette épidémie impacte et perturbe les résultats, en tout cas. Alors ça, c'est la deuxième question, effectivement. Est un impact sur les résultats, parce que ça va... qui va aller voter ? Alors tout le monde s'interroge, bien entendu, sur les électeurs les plus âgés. Les électeurs les plus âgés sont ceux qui votent le plus par tradition, et c'est aussi ceux qui sont les plus exposés au virus. Donc là, tout est mis sur la table pour que ces gens-là n'y aillent pas. Mais pourquoi n'y iraient-ils pas ? Finalement, je pense pas... Enfin, en tout cas, ça va être très, très très important ce qui va se passer dimanche dans ce contexte-là. On est déjà dans un contexte de défiance politique extrêmement lourd. Oui. On le sait. Sans une couche. On est sorti de la crise des Gilets jaunes, certes, mais la réforme des retraites est là. Il y a eu le 49-3. On est dans un moment où le pays peut avoir envie de voter, peut avoir envie de s'exprimer, d'envoyer un message, quel qu'il soit, mais en tout cas de le manifester dans les urnes et de l'exprimer dans les urnes. Ouais. C'est toujours mieux que de le faire dans la rue. Et conséquence du coronavirus, nous vous le disions déjà hier, les matchs de foot de L1 et L2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Les rassemblements de plus de 1000 personnes étant interdits en milieu ouvert comme en milieu confiné. En revanche, les clubs de rugby, eux, souhaiteraient le report des matchs de top 14 plutôt que de les voir se tenir à huis clos. La Ligue de rugby étudie donc actuellement les différents scénarios possibles concernant la suite du championnat. La décision sera prise en Assemblée générale le 16 mars prochain et communiqué dès le lendemain. Je vous le disais en titre, ce 11 mars était la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette date a été choisie en référence à la journée européenne des victimes du terrorisme qui a déjà lieu le 11 mars en référence aux attentats de Madrid de 2004. À Bordeaux ce matin, une plaque commémorative a été dévoilée après la cérémonie. Une cérémonie à laquelle assistaient des victimes d'attentats. Elles ont d'ailleurs été décorées à cette occasion, une forme de soutien et de reconnaissance de la nation à leur égard. Il faut que les choses ne soient pas oubliées, c'est vrai, c'est important, c'est un important. Et puis pour tous ces gens aussi qui nous ont aidés à surmonter nos épreuves, à ce moment-là on n'avait pas d'aide, on s'est retrouvé à faire face par nous-mêmes, on n'avait pas toutes ces aides qu'il y a actuellement. Est-ce que vous avez au début l'impression qu'aujourd'hui on reconnaît votre statut ? Oui, absolument, on reconnaît enfin mon statut. Nous, on ne l'oubliera pas en tout cas, et ça serait dommage. Je pense pas que ça arriverait, mais c'est vrai que ça serait dommage que l'État, entre guillemets, nous mette de côté, parce que c'est des choses qu'on nous a imposées ce soir-là, qu'on n'a jamais demandé, des scènes d'horreur qu'on n'aurait pas dû vivre en 2016 en France, au 21e siècle. Et c'est important aussi qu'on ait constamment, comme je disais, du soutien, de l'aide et surtout de la reconnaissance, qu'on se dise oui, on l'a vécu, mais on est plus fort, on arrive à vivre avec. Moi, j'ai un message. Je pense que il faut se libérer de beaucoup de choses, de la vie, et vivre. Profiter. C'est ce que ça nous a appris, même si moi, je suis de nature positive. Je pense qu'aujourd'hui, je suis ultra positif et je veux profiter de tout ce que la vie peut nous offrir. Ouais, profiter des proches, profiter de chaque instant, de bonheur. La convivialité. Exactement. C'est ça. Voilà.
La Gironde placée en vigilance orange pour risque de crues inondations. La Garonne est légèrement sortie de son lit ce matin au niveau des quais de Bordeaux. Des images beaucoup plus impressionnantes en Sud-Gironde où la D115 qui franchit la Garonne entre Portets et Longoiron a été coupée. Les pompiers de la Brède étaient sur place en reconnaissance. La route devrait être de nouveau fermée à marée haute ce soir. Alors que la piscine universitaire de Talence est toujours fermée pour travaux, c'est à présent le stade nautique de Talence-Thouars qui s'apprête à fermer en octobre prochain. 2 ans de travaux de rénovation seront nécessaires. Le secteur se retrouve donc sans bassin ni solution de remplacement, ce que dénoncent les enseignants de sport qui ont symboliquement installé une piscine démontable sur le parking, une façon pour eux de matérialiser leur solution alternative. On a proposé la solution du bassin mobile à M. Bobet, président de Bordeaux Métropole, à M. Salaberry, maire de la ville de Talence. C'est la solution, le bassin mobile. C'est une solution qui se fait maintenant très couramment. C'est un système qui marche très bien. Ce n'est pas très cher, d'autant plus que là, il y a une société en France qui vend un bassin de 50 mètres, 8 couloirs couverts. C'est le bassin qui a servi à Manodou pour préparer les Jeux Olympiques de Londres. Ce bassin-là est à vendre à un prix dérisoire par rapport à ce qu'on pourrait voir par rapport aux autres prix des piscines, 647 000 euros. Donc cette piscine, elle peut être montée en un mois. C'est une solution de remplacement. C'est une solution possible de remplacement pendant les travaux. Ensuite, au bout de 2 ans, les travaux sont terminés sur Talence, on prend cette piscine et on la met ailleurs pour remplacer une piscine qui est en train d'être rénovée. Il y a un manque d'équipement très très important, un manque de piscine. Et là, le problème, c'est que ça va se surajouter. C'est-à-dire que les gens qui vont vouloir aller à la piscine du secteur, qu'est-ce qu'il leur reste comme solution? La piscine de Villeneuve-d'Ornon, la piscine de Pessac, qui sont déjà saturées. Donc ça va être, dans ces piscines, ça va être une catastrophe. Et puis la plupart de... Là, le club de Talence s'y ferme. On prépare les Jeux Olympiques 2024. Le club de Talence, 600 adhérents, avec des nageurs de très très bon niveau, le club y ferme. Non mais, on croit rêver. Et de son côté, le maire de Talence a indiqué ne pas avoir encore pris de décision concernant les travaux qui pourraient être effectués selon un phasage, ce qui permettrait de la laisser en partie ouverte. Après la pose de banderoles dans la ville hier, les supporters des Girondins de Bordeaux souhaitent un réveil des consciences. Sur l'avenir du club. Ils dénoncent notamment... l'absence de projet pour le club et ils souhaitent plus que jamais le départ du propriétaire King Street. Le message il est multiple. Il nous apparaît logique que les Girondins de Bordeaux soient présents dans la campagne municipale. C'est un club qui fait partie du patrimoine de la ville. Ça, c'est notre premier objectif, hein, valoriser le club et que le club soit présent dans les discussions et soit un sujet de réflexion des candidats, surtout dans la situation actuelle, et particulièrement Nicolas Florian qui a soutenu le projet avec Alain Juppé dès le départ en vendant aux Bordelais une ambition, un club qui allait renaître, etc., etc. Et on s'aperçoit que depuis la revente, c'est malheureusement une situation qui s'empire de jour en jour avec absolument aucun projet sportif, un désamour total avec tout l'environnement du club, que cela soit les supporters avant tout, mais pas que, les partenaires, les salariés, un projet encore une fois totalement inexistant. Ça fait partie du patrimoine de la ville et que le club doit être respecté. Et visiblement, les propriétaires actuels n'ont absolument aucun projet, aucune envie de faire avancer le club, mis à part vendre nos joueurs le plus rapidement possible, vendre nos jeunes le plus rapidement possible. La situation qu'on connaît depuis la vente est totalement scandaleuse, et même avant la vente. Il n'y a plus aucun projet sportif aux Girondins de Bordeaux depuis des années, même avant la vente. Les Girondins de Bordeaux, encore une fois, c'est un joyau de la ville, ça fait partie totalement de l'image de la ville, de l'histoire de la ville. C'est un club historique
et qui est aimé par tout un tas de gens. Il faut que ces gens-là se manifestent, que ce soit les anciens joueurs, les anciens salariés, les partenaires, enfin tous ceux qu'aiment les Girondins doivent toujours et encore crier le plus fort possible. C'est pas possible. Ce que l'on fait de notre club depuis des mois et des années n'est pas tenable. On peut pas continuer comme ça. Un véritable raz-de-marée pour le studio bordelais Azobo. Son jeu vidéo Plague Tale a remporté 6 Pégases. Ce sont l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo. Parmi ces 6 Pégases, celui de l'excellence visuelle, mais aussi celui du meilleur jeu vidéo. Et puis attention, hein, si vous devez prendre la route ce soir, sachez que la 660 est fermée partiellement cette semaine en raison de travaux de construction entre 20h30 et 6h du matin, et notamment ce soir entre le carrefour giratoire de Césarée et le carrefour giratoire de la Umbiscaros à Gujan-Mestras. Des déviations sont bien sûr mises en place. Et une autre fermeture également cette semaine, c'est celle de la 63 dans le sens Bayonne-Bordeaux entre 21h et 6h du matin pour des travaux d'entretien. Elle est fermée ce soir à hauteur de l'échangeur 11 de Mérignac Aéroport et l'échangeur 13 de Pessac Alouette. La déviation se fait par le sens intérieur via le pont d'Aquitaine et le pont François Mitterrand. Restez avec nous, dans un instant, nous parlerons des élections municipales dans le Médoc.